ومولانا محمد قرة أعيننا بذاته وطب قلوبنا بنوره وشيخ طريقتنا بمعرفته وإمام محرابنا بمحبته وسيد الكامل الفاتح وخاتم الناس الهادي وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم عدد القطر والمطر والنبات صلاة تملأ الأزل والأبد زمانا ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد صلاة عبد ضعيف وسيدته رسول الله يا سيدي ويا حبيبي يا شيخي ويا معلمي يا سميي يا رسول الله قد ترى مكاني وتعرف حالي ولا يخفى عليك شيء من عمري توصلت بك إلى ربك فاشفع لنا عند المولى العظيم يا نعم الرسول الطاهر اللهم شفعه فينا بجاهه عندك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Éminence, Monsieur le Cheikh, le Aïma, permettez-moi de ne pas citer les noms. Et permettez-moi aussi de demander la bénédiction de mon aîné, cher Chérif Omar Abdelaziz, de la République islamique d'Iran, Excellence Monsieur le Ministre, et notre cher papa, avec votre permission, Inch'Allah. On n'aura pas assez de temps, mais avant de commencer cette intervention, j'aimerais d'abord faire des bénédictions pour ceux qui ont eu l'initiative de penser à l'essentiel. Car lorsqu'on parle de l'unité des musulmans, on parle là de l'essentiel. Et on pourra présenter aujourd'hui le problème que les musulmans sont en train de vivre. C'est une triste réalité. Mais on pourra donner l'image d'une pyramide. Lorsqu'on se trouve au pilier du pyramide, c'est tellement grand, tellement vaste, on a même l'impression que là où on se trouve est le seul côté. Parce qu'on ne sent pas qu'autour de la pyramide se trouve une autre religion, une autre branche spirituelle, on s'est dit que nous sommes les meilleurs. Mais au fur et à mesure qu'on avance, c'est-à-dire on évolue vers l'essentiel, qui est le sommet, et l'essentiel c'est la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous voyez que la pyramide commence à se rétrécir. Et au fur et à mesure qu'on avance, on voit d'autres communautés, on voit d'autres branches spirituelles, on voit d'autres qualités spirituelles et au sommet, on se rend compte que l'objectif était le même. Donc, quand on parle aujourd'hui de la divergence entre les musulmans, on va dire que ça a été causé par quelques éléments.
Mais l'élément le plus dangereux est la sagesse que Imam Ali alayhi salam nous a donnée lorsqu'on lui a posé la question: qu'est-ce qui a envoyé tant de divergences en islam? Et il a répondu par cette sagesse en disant: لو سكت الجاهل لارتفع الخلاف. Si les ignorants arrêtaient de parler, il n'allait pas avoir de divergence en islam. Ça veut dire que nous nous sommes en train de déchirer sur des points souvent qui n'en valaient même pas la peine. Mais parce que on a été très pauvres en savoir et nous nous sommes en train de déchirer sur des points, si on essayait peut-être d'avancer plus dans notre spiritualité, dans notre savoir, on allait comprendre qu'on parlait réellement de la même chose. Et le prophète Mohammed, nous donne l'exemple des bons croyants, l'image des bons croyants. Et il nous dit: Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan. Un croyant, là le prophète utilise le mot mu'min, le croyant. Comme Allah aussi pour parler de l'unité des musulmans, Allah parle aussi des croyants. Innama al-mu'minuna ikhwa. Donc, c'est pour dire que lorsqu'on parle de l'unité, c'est une dimension de la foi. C'est la deuxième dimension de l'islam. Mais pourquoi est-ce que le prophète a donné l'image d'un mur, d'une construction? Parce que avant de construire le mur, c'est qu'il faut avoir obligatoirement la terre. Donc dans la communauté, certaines personnes doivent accepter d'être à la terre, de se laisser creuser pour installer des briques pleines. Alors s'il n'y a pas de terre dans notre communauté, il y aura toujours un problème. Et les soufis disent: As-soufi yukal ard yutraw 'alayha kullu kabir wa la yakhruj minha illa kullu malih. L'homme de Dieu représente la terre sur laquelle on jette tout ce qui est souillé, mais la terre ne produit que tout ce qui est bon. Donc si dans la communauté certaines personnes avaient accepté d'être la terre, on allait éviter pas mal de problèmes. Alors les briques pleines, quand on les pose, ce sont ces briques-là qui supportent la maison, mais ces briques-là sont invisibles, effacées, on ne les enjolivit pas. Ces briques-là acceptent d'être effacées pour supporter le poids de l'édifice. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Dans la communauté, si certaines personnes acceptaient de travailler dans le silence, acceptaient d'œuvrer sans se faire voir, ils allaient pouvoir supporter le poids de la construction l'une après l'autre. D'autres même acceptent de se casser en deux pour pouvoir fermer et combler les vides. Et le prophète nous donne cette image pour dire que nul n'est indispensable, mais nul ne peut avancer sans l'autre. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Et quand on avance encore, le deuxième problème de la communauté, après l'ignorance, c'est d'appartenir à une communauté sans chercher à savoir le message ou l'objectif qu'on cherche à atteindre dans cette communauté. Alors quand on va dans ces diverses communautés en islam, malheureusement, au lieu de chercher à développer la qualité de l'islam, l'objectif réel qu'on cherche à atteindre en islam, on cherche plutôt à valoriser notre branche. On cherche plutôt à faire la promotion de notre branche. Et en valorisant notre branche, on essaie de dénigrer toutes les autres branches.
C'est ce qui nous fatigue dans la communauté. L'objectif n'était pas de faire la publicité de ta branche, mais l'objectif consiste à une seule chose. Et le prophète nous l'a indiqué. Il nous dit, Allah wa inna fil jasadi mudghatan. Iza salahat salaha al jasadu kullu. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. Dans le corps de l'être humain, il y a une chose, une partie de chair. Alors le prophète dit, si cette partie-là arrive à se réaliser, c'est tout le corps de l'être humain qui se réalise. Mais si cette partie-là échoue, c'est tout le corps de l'être humain qui échoue, c'est le cœur. Donc on comprend automatiquement que les 124 000 prophètes, les 313 passagers et messagers ont été envoyés et ils avaient tous pour cible cette petite partie de l'être humain, le cœur. Donc l'objectif de toute la communauté consiste à perfectionner l'être humain, mais à purifier le cœur de l'être humain. Si la communauté X arrivait à purifier ce cœur, et la communauté Y arrivait aussi à purifier ce cœur, il n'allait pas avoir de divergence à l'islam. Parce que l'objectif est le même. C'est le cœur de l'être humain. Purifier l'homme, faire de l'homme le digne représentant d'Allah sur la terre. Et là, je rentre maintenant dans le vif du sujet. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Lorsque le prophète Mohammed est entré à Médine, alors il a donné trois phrases. Mais trois phrases pleines de sagesse. Trois phrases pleines d'enseignement. Et le prophète nous dit, il dit, Afshu salam. Atarimu ta'am. Sallu fil layli wa nasu niya. Répandez la salam entre vous. Le prophète nous parle de salam, comme il nous le dit. Lantadkhulul jannata hatta tu'minu. Wa lan tu'minu hatta tahabu. Alors, أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم قالوا بلى يا رسول الله قال أفشوا السلام بينكم. Lorsque le prophète nous parle de salam, les musulmans, comme dans les habitudes, c'est-à-dire, on cherche toujours à comprendre les choses de façon exotérique, mais on ne rentre pas dans la profondeur des choses. Lorsque le prophète nous parle de salam, est-ce que ça se limite à se dire assalamu alaikum et on a exécuté l'enseignement du prophète Mohammed alaikum? Non. Mais le prophète nous parlait de la protection du musulman et la sécurité que le musulman peut donner à son semblable. Moi, je suis musulman, j'ai compris le sens du salam, mais en même temps, j'avance à telle enseigne que j'arrive à instaurer la salam autour de moi. Et tous ceux qui sont avec l'homme musulman se sentent en sécurité quand ils sont avec l'homme musulman. C'est de cela qu'il s'agissait. Quand le prophète nous parle de salam, il parle de celui dont la langue est protégée. L'œil est protégé. Les pas sont guidés. Et l'objectif à atteindre ne détruit pas l'autre. Il parle de salam, mais il parle là de la sécurité. Et atarimu ta'am, donner à manger, ça veut dire que les musulmans doivent chercher d'abord à être utiles dans la société, à servir les autres, à être à la disposition des autres, à être indispensable dans la société, c'est-à-dire lorsque on devient une communauté où la société ne peut vivre sans nous. En ce moment, on a compris le message du prophète Mohammed alayhi wa sallam. Et il parle de la prière nocturne, c'est-à-dire notre
rapport avec l'être suprême qui est Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas prétendre défendre une communauté, une religion, si nous ne sommes pas en contact avec le Créateur. Les musulmans manquent d'assises spirituelles. Les musulmans manquent de formation spirituelle, malheureusement. Les musulmans manquent de spiritualité en un mot. Donc lorsqu'il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de savoir, obligatoirement on se trouve dans la situation que nous sommes en train de vivre actuellement dans la communauté. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Pour aller encore plus loin, la communauté a besoin des leaders exemplaires, des modèles. Et malheureusement, on n'a pas de modèle. Je ne généralise pas, on en a, mais sur 100 cas, si on n'a que 5 ou 10, on n'en a pas. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. On n'a pas de modèle. Et le prophète Mohammed Ali, lorsqu'Allah parle de lui dans le Coran, Allah nous dit « Qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana » Vous avez en la personne du prophète Mohammed Ali, un exemple à suivre. Alors l'exemple à suivre, c'est qui? Et qu'est-ce que cela signifie? C'est lorsque on a en face de nous celui-là même qui nous enseigne de par son comportement. Et son silence est plus éloquent même que lorsqu'il parle. En ce moment, les musulmans se retrouvent en quelqu'un. Mais lorsque le leader, quand on l'approche, on n'a que la haine dans le cœur. L'envie de dénigrer l'autre, de souiller l'autre, de s'éloigner de l'autre, on ne se retrouve plus en lui. Les musulmans ont besoin de cela. Et là, ça commence déjà de par notre façon de véhiculer le message. De par notre façon de transmettre le message. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Seyna Moussa et Haroun à Pharaon, qui était l'ennemi d'Allah, Allah lui a dit « Faqoula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha » Si vous arrivez, ne dites pas que vous êtes des prophètes, vous êtes des envoyés, alors vous allez parler comme vous voulez. Sachez parler à Pharaon. Ça amène à méditer et à réfléchir. Alors le prédicateur qui est en face de nous, qui regarde déjà des images, permettez-moi de m'exprimer ainsi, qui regarde déjà des images, qui ne voit pas de barbe par-ci, qui ne voit pas de chapelet par-là, qui ne voit pas peut-être le pantalon qui monte par-ci, qui ne voit pas le gros boubou par-là, automatiquement, il se limite à l'image qu'il voit et il trouve un moyen de nous amener tous directement en enfer. Parce que lui, il ne se retrouve pas en nous. Il ne se reconnaît pas en nous. Il voit automatiquement en nous des personnes contraires à lui, son idéologie, sa vision, dont nous sommes automatiquement ses ennemis. Les musulmans ont véritablement ce problème. Et nous sommes face à une communauté, à une assistance ignorante. Donc quand on voit quelqu'un en train de dire « Qala Allah ou Qala Rasulullah » on se dit « Non, tout ce qui vient de la personne est vrai. » Mais est-ce que la personne sait réellement de quoi elle parle? C'est le problème réel de la communauté aujourd'hui. Tout le monde parle, tout le monde fait des fatwas. Souvent, permettez-moi de le dire, souvent, ce qu'on peut considérer comme le principe même d'un test dans le Coran peut contredire la fatwa. Mais il faut avoir la sagesse de savoir à qui tu es en train de parler et qu'est-ce qu'il faut lui dire. Tous les musulmans savent que la viande de porc est interdite en islam. Tous les musulmans le savent. Alors quelqu'un qui se trouve dans une situation où il doit mourir de faim, il n'a pas à manger. S'il ne mange pas la viande de porc, il n'a que ça, sinon il va mourir.
Alors là, on ne parle plus de hukm, qui est la viande de porc est interdite à l'islam. Mais lui, il est dans une situation, qu'est-ce qu'il fait? Dans notre fatwa, souvent contredit même le principe que nous connaissons tous. Et quand on va plus loin, Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, un jour quelqu'un est venu lui poser la question, est-ce que si un musulman tue quelqu'un et il fait un repenti, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde son pardon? Il a dit oui. Et quand lui il est parti, automatiquement, un autre est venu lui poser la même question et il a dit non. On lui dit, mais tu donnes deux réponses à une seule question. Il dit oui, que la personne, la première qui est venue vers moi, avait déjà exécuté quelqu'un. Mais il regrettait, il voulait faire un repenti sincère. Mais le second avait envie d'aller exécuter avant de faire le repenti. Il faut avoir la sagesse et comprendre qu'on doit expliquer peut-être ces enseignements à telle personne et se priver de l'expliquer à telle personne. Les musulmans ont manqué de ce qu'on appelle le sens de discernement. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Deuxième élément, ta vérité n'est pas la vérité absolue. Ta vérité est une partie de la vérité, mais elle ne peut pas être la vérité absolue. Je suis musulman, j'ai accepté de adhérer à une branche, mais c'est une branche. Mais je sais qu'en islam, nous sommes tous d'accord qu'il y a 5 prières par jour. Nous sommes tous d'accord que le hajj c'est à la Mecque. Nous sommes tous d'accord que le jeûne c'est dans le mois de Ramadan. Nous sommes tous d'accord qu'on doit donner la zakat. Alors sur des bases, nous sommes tous d'accord. Donc les branches ne doivent pas nous diviser. Mais on a mal utilisé le mot de Al-Fiqhatun Najiyah. Quand même, vous faites de la bonne compréhension. C'est-à-dire, on parle de 71 pour les juifs, 72 pour les chrétiens et 73 pour les musulmans. Alors, le 73e là, tout le monde s'est situé là. Alors, si moi je suis dans le 73e, évidemment, toi tu te trouves parmi les 72. Mais il y a un verset qu'on a oublié. Et c'est ce verset-là qui devrait nous amener à comprendre qu'en réalité, ce n'est pas de cela qu'il s'agissait. Le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, nous dit « Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila li ta'arafu inna akramakum indallahi inna al-firqata najiya indallahi atqakum » Donc si nous tous on partait vers l'objectif qui est la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça allait nous éviter pas mal de problèmes. Et j'aimerais conclure en disant ceci. Il y a eu des disputes entre Abu Zar al-Rifai et Bilal ibn Rabah. Alors lorsque ils sont arrivés vers le prophète Muhammad alayhi wa sallam, le prophète, pour trancher, a dit à Abu Zar qu'il n'avait pas raison. Alors il doit présenter des excuses à Bilal ibn Rabah. Et Abu Zar, qui se couche sur le sable et met sa tête contre le sol et il dit à Bilal, traîne tes pas sur ma face pour accepter mes excuses. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Regardez et écoutez la phrase de Bilal. Il dit « Ma kana l'ibn Rabahin an yadussa qadamahu ala khaddin sajada lillahi. » Il dit « Le fils de Rabah ne peut pas poser son pied sur une face qui s'est prosternée pour Allah subhanahu wa ta'ala. » Il y a quelle face dans cette salle-là qui ne s'est pas prosternée pour Allah?
Mais lorsqu'on n'arrive pas à se pardonner par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, on devient un problème dans la communauté. Imam Ali alayhi salam, un jour, il croise, pour finir, il croise un grand disciple du prophète Muhammad alayhi wa sallam, que Imam Ali avait pour habitude de le saluer. Et ce jour-là, lorsqu'ils se sont croisés, Imam Ali ne l'a pas salué. Ils se sont vus et ils se sont dépassés. Et lui, il était obligé de saluer Imam Ali. Alors, il est allé vers le prophète, il a expliqué au prophète Muhammad Ali, et le prophète appelle Imam Ali, il dit, explique-moi la raison, pourquoi est-ce que tu as fait cela? Il dit au prophète que j'ai fait un rêve, mais dans le rêve, j'ai vu un paradis. C'était tellement sublime. Je posais la question, ce paradis appartient à qui? Et on m'a dit que ce paradis appartient à celui qui adresse la salam à son frère. Alors lorsque j'ai vu ce disciple, j'ai aimé qu'il soit le premier à m'adresser la salam pour qu'il puisse bénéficier de ce paradis. Salam Muhammad wa Ali Muhammad. Ceux-là ont donné jusqu'à lui donner même le paradis. Alors chers frères, chers sœurs, nous sommes tous des musulmans. C'est le nom que Seyna Ibrahim alayhi salam nous a donné. Et nous sommes tous des frères et sœurs. Mais nous sommes tous des êtres humains. Et Allah nous dit, alors nous venons tous d'une seule âme. L'objectif n'est pas les branches. Notre cible, ce n'est pas ces branches. Mais la cible, c'est le cœur. Et l'objectif, c'est la crainte révérentielle d'Allah. Mais chacun a sa façon de l'exprimer. Chacun a sa façon de la pratiquer. Chacun a sa façon d'être musulman. Respecter la façon de l'autre d'être musulman, ça explique que toi, tu as accepté que la divergence de l'islam est une richesse en islam. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Wa sallaytu fi sani ala khayri khalqihi Muhammadin man zahar dalalata wal ghalat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam ala Muhammad wa ala Muhammad. Wa salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Merci infiniment.